Oh! Salut toi, comment tu vas ma boy? Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à la Villa Predator avec ceci en main. Alors, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est pour refaire les genoux. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ceux qui savent pas, je suis à la Villa Predator et qu'est-ce qu'il me faut? Un setup pour jouer à Fortnite, tu vois ce que je veux dire ma boy? Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est la construction de mon nouveau studio à la Villa Predator. On va voir où est-ce qu'on va le mettre dans la villa, dans quelle salle, etc. On va monter nous-mêmes le bureau, etc. avec les planches. On va mettre le PC, tout paramétré, que ce soit pour stream, pour faire des vidéos avec la caméra, clavier souris à 100%. Ok? Qu'est-ce qui pourrait vous faire dire que ouais, cette vidéo, il faut que je la regarde à 100%? Très simple. Là, vous allez apprendre comment monter un setup Fortnite, un setup pour stream, pour faire des vidéos de A à Z. Et en plus de ça, dans une villa incroyable. Perdons pas plus de temps. Vous voulez savoir où est-ce qu'il va être le setup? Il va être là! Alors, ici en fait, on est au troisième étage de la villa. Ici, c'est là où je dors. Là, c'est là où Brice dort, là-bas, ma boy. Là, c'est les affaires en bazar. Il y a tout le matos, tu vois. Notre but, c'est tout bien cleaner, frérot, et mettre un setup ici avec la vue sur la mer. Dani ? Yes ! J'ai la chance d'avoir un caméraman avec des rollers. Et ça, stabilisateur de ouf. Allez, suis-moi. Attends. Comment tu vas faire là? Comme ça, clac, 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 clac. Attends, vas-y, je prends la cam. On va chercher le matos pour le bureau, ma boy. Le caméraman a des rollers pour faire un travelling? Exactement, ma boy. J'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. Qu'est-ce qu'on a ici dans la cuisine là? Le câble Ethernet pour avoir la connexion et jouer à des jeux vidéo sans latence. On a tout ce qui est vis pour le bureau et on a la petite multiprise pour tout ce qui est écran, périphérique, caméra, etc. Le bureau il se trouve juste ici. Regarde ça, ma mère. Qui a été amené en personne par Jacouille, ma mère. Merci, Predator. Sauf que là, le challenge pour monter mon nouveau studio, c'est de amener ça là-haut. Ce qu'on va faire, on va faire un truc très simple. Dani, tu sais que j'adore les défis. Si j'arrive à monter mon bureau tout seul, tout le monde met un pouce bleu. Si j'y arrive pas, vous mettez 0 pouce bleu. Sachant, à titre d'information, on l'a monté du van à ici dans la cuisine. On était deux. Ouais. Parce que là, c'était pas possible. C'est comment on appelle? The Rock. Attends, je vais avoir 0 pouce bleu là. Oh. Mec, je vous grouille. Oh. Allez, on pose ça là. Bah non, Dani, avant qu'on commence à visser les clous, etc. dedans, déjà de une, j'aime bien quand tout est cliné. On va ranger ce bordel, ok? Brice, on a besoin de toi, il faut que tu ranges. Hé, Brice! Hé, les refs! Est-ce que vous avez vu Brice? Ouais. Non. A besoin de Brice, il faut qu'il range ses affaires. Ouais, parce que Brice, il fait que de poser les affaires aussi de partout, ce con. Oh putain de merde! Mais qu'est-ce que je fais, cette valise d'Orbiz en plein milieu de la terrasse de 10 000 mètres carrés? Alors, ça, c'est une carte son externe pour que je puisse brancher mon micro dessus, ma boy. Très très important. Là, on a le micro Sennheiser. Ça, c'est le micro où j'ai fait mes 200-300 dernières vidéos sur ma chaîne. Très très important, ma boy. C'est un très très bon micro qui coûte aux alentours de 400€. Là, on a le Camlink où, grâce à ça, je vais pouvoir mettre ma caméra sur OBS et que je puisse filmer tout simplement ma petite tête dans mes gameplays. Alors, ça, il faut que je vous en parle de ouf. C'est le DT1770 Pro. C'est un casque qui coûte 700 balles. Mais le son, tu l'écoutes en balles. D'ailleurs, pour info, les amis, mon ancien casque, c'était celui-ci, un PLT. Trop trop bien aussi pour goûter le son, sauf que regardez, il est crade, pour ça que j'ai changé. Hop, petite K-like les amis d'Elgato. Alors c'est pas une sponsor, mais si vous voulez me payer ou quoi, n'hésitez pas, mes informations sont dans la description. Là il y a ma trousse de toilette que j'ai perdue depuis 4 jours. Qu'est-ce qu'elle fout là, wesh? En train de ranger. Tais-toi, je fais un vlog sur ma chaîne. Laisse-moi faire mon vlog. Je parlais à mes abonnés chéris. Là, j'ai ma petite brosse à dents. Et là, j'ai ma petite tondeuse pour raser les poils de ma... C'est bon, les amis. Donc là, on a un peu plus rangé. Regardez un petit peu. Il reste plus que des petites Orbiz. Donc là, on a le matos de son, quelques câbles, mon casque. Là qui est light, d'autres affaires dans le sac. Donc là il manque quoi? Il manque le PC qu'on va aller choisir en bas. C'est des monstres. Il manque les écrans, combien on va en choisir. Et surtout les pieds pour pouvoir les visser sur l'immense bureau. Venez. Alors voici un petit peu les PC qu'on a. Donc c'est des PC qui ont été fournis grâce à Predator. On a 1, 2, 3, 4 que Megan utilise déjà. Ils ont plusieurs caractéristiques différentes. Nous on va prendre le meilleur. Ici on a un i7, 10ème génération, i5. Dans le i7 on a une 3070. Ici on a une RTX 2070. Frérot, on va pas aller par quatre chemins. On prend directement la RTX 3070. Attends. Il est en train de voler un PC. Il se bat. Le PC, c'est check. Est-ce que de votre côté, le pouce bleu, c'est check? Est-ce que l'abonnement aussi, c'est check? Ma boy, je compte sur vous parce que vous êtes plus de 62-63% à regarder mes vidéos, mais à ne toujours pas être abonné à ma chaîne secondaire. Je compte sur toi pour tout exploser, ma boy. Et sur ce, on continue.
Attention, on n'a pas fini le matos. Hop, les pieds, le câble Ethernet, les vis, et hop, le petit tournevis avec la multiprise. Il manque plus que les écrans, mon mec. On a l'écran Predator et on a une petite surprise, venez voir les gars. Regarde l'écran qui nous attend. Ça, ça va être l'écran, les gars, de stream, où je vais mettre mon OBS, mon retour de live, pour que je sois tranquille, et que j'ai cet écran-là pour pouvoir jouer. Alors, je suis nul en bricolage, ce qui fait que on va faire aléatoirement. Voilà ce que fait un youtubeur quand il a 2 millions d'abonnés. Frère, mais en fait on a fini à minuit, frère. On a tous les pieds à faire. 2 hours later. Bon les amis, regardez quelle heure il est. Il est 2h38, nous avons terminé la table. Plus qu'à faire tout le setup en entier avant qu'on s'évanouisse de fatigue. Bref, trêve de plaisanterie, on va aller chercher la chaise gaming, c'est très important. Chut, il faut pas dire. Bien joué. Je pense qu'on va faire un setup en mode un petit écran monitoring ici qui nous permet de voir le chat. Et un grand écran comme ça posé. Comme ça là je peux jouer à fond la battle. Ouais, c'est la main. Là maintenant, il faut directement qu'on branche les écrans par derrière ici là. On prend le câble comme ça. Et hop. Et maintenant, il faut mettre la sauce dans le PC. Apportez-moi la multiprise. Jour, nuit, jour. On attire le câble. Non, attends, il y a des nœuds. Putain, il est 3h40. 3 hours later. Ah là là. C'est du beau travail. L'aide dans tous les sens, ma boy. J'ai pas trop de bruit parce que Priscille est en train de dormir. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dormir. On attend qu'il fasse beau demain pour qu'on ait l'incroyable vue derrière. En même temps que je joue à Fortnite et que je fasse des streams sur ma chaîne. Bon, bref, il y a 4 heures passées du matin, ma boy. On se retrouve à très vite demain avec l'incroyable vue de mon studio dans la villa. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour voir la finalité de mon setup, ma boy? Il y a eu pas mal de galères. Il y a eu pas mal de souffrances. Parce que déjà, d'une... la clim ne fonctionne pas, ce qui fait qu'il fait 35 degrés au deuxième étage. Venez, voici mon nouveau studio, les amis, dans la villa Predator, ma boys. Chaise gaming, double écran avec un écran de 3840 par 1080 pixels. Clavier, souris, micro incroyable, ma boy. Casque, le PC est juste ici, ma boy. On a une caméra pour filmer mon visage, un iPhone pour filmer le paysage, parce que le paysage est incroyable, on va le montrer pile après. Et on a une Logitech Brio aussi pour voir un autre angle sur les bords de mer de Marbella. Donc comment ça se passe quand je me présente? On est là, on met le petit cul, ma boy, et on est bien. Regardez la vue, est-ce que ces défis réussissent? Studio à la Villa Predator avec une vue de baiser. Sur cela, on va faire un test pour voir si tout fonctionne bien. Et yo tout le monde, c'est Jane. J'espère tous extrêmement bien aujourd'hui. On est parti tout simplement sur une game de Fortnite pour voir un petit peu de tester tout ce setup Fortnite Battle Royale ou ça à la Villa Predator avec la vue sur la mer Méditerranée. On va tout simplement lancer une game de Fortnite solo. Jouer. Je pense que là, on est dans une situation où on va pouvoir faire un stream sur ma chaîne secondaire, la chaîne Chunbox. J'espère que vous avez en tout cas kiffé cette vidéo là. Nous, les amis, je vous laisse parce que j'ai envie de jouer à Fortnite Battle Royale. Il faut que je m'entraîne un petit peu pour ce soir. On va sauter des bus. Let's go! Ouais, tu bougeais pas. Waouh, j'ai 7 HP. Ah, oh mais non, j'ai plus de build. Dommage. Bon les amis, tout fonctionne, ma boy. Le jeu est good, la couille comme ça, mais bon après c'est normal, on est un petit peu en Espagne, ça lag un petit peu, on a un peu de ping, à voir un petit peu comment on pourrait améliorer ça. Sinon, on va arrêter l'enregistrement d'OBS, et là je pense qu'on va se préparer pour un petit stream de ce soir sur la chaîne secondaire. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire, mais j'espère que la vue vous a plu, j'espère
d'avoir installé ce setup ici fait que ça donne un petit peu un goût atypique. Donc c'est le studio un petit peu que je vais garder ici quelques prochains jours ici, en tout cas la Villa Predator. Merci d'avoir suivi la vidéo en entière. Ça fait trop plaisir de nos péripéties de youtubeur. Merci en tout cas Dany de m'avoir aidé. Pensez au pouce bleu, à l'abonnement si c'est nouveau, ça fait très plaisir. On se trouve à très vite pour de prochaines aventures à la Villa Predator. C'était Insane, Code Insane, ciao bye. C'est bien.